Alors, je fais grâce au yes, yes. Ah oui. Ouais, mais en gros, du moment que, peu importe hein, comment, et c'est cool ce que tu as trouvé, du moment que vous avez quelque chose effectivement qui vous permet d'avoir un cycle en fait entre la bonté et la rage, globalement c'est plutôt chouette quoi. Le coffre et loot. J'ai oublié le coffre et loot, non ? Non, il n'y en avait pas, je crois. Tu me fais douter. Enfin, sur la liste, ils ont dit l'accès anticipé par le fondateur de mai, il y aura une bêta, mais de news. Mais pas de news comment y accéder. Ah, j'ai rien acheté pour l'instant, tiens. Faudrait peut-être que je prenne un truc dans ce cas-là sur Wayfinder. Pour le stream. Bah, si. Ah, bah, tant pis. Ah, bah, je l'ai raté. Je me disais aussi, c'est chelou qu'il n'y ait pas de loot à la fin. Et bah, voilà. C'est pas grave, on n'est pas là pour les loot. Un peu quand même. Un petit peu quand même. J'ai combien de thunes là? Oh, 200 000. Nice! Rénover la chambre de commerce. De ouf. Elle a pissé? Pardon? Please, come in, my friend. Non, 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 du tout. Alors, de ce que j'avais vu, alors c'est compliqué, hein, c'est un peu le bordel. Allez, rejoignez la bêta fermée, attends. Ouais, mais j'ai entendu dire. Tu vois, c'est déjà la phrase, elle commence mal. J'ai entendu dire. C'est, tu sais qu'il y a déjà un problème, tu vois. Quand t'as j'ai entendu dire la phrase où on m'a dit. Déjà, ça pue, quoi. C'est... Après, encore une fois, si j'ai tort, je suis ravi, on a un bon jeu. Hein. Je demande qu'à avoir tort, hein, clairement, pour Blue Protocol. Parce que le visuel animé me plaît grandement. Hein. Mais j'y crois pas du tout, quoi. Ah, c'est ça, ok. Not right now. Bon, ça aura du point de vie, le bordel. Hein. Ça commence à être un peu chaud, là, en vrai. Ah, c'est ça. Et Genshin, c'est pas un gacha cosmétique. Hein. Vous allez pas me faire croire ça. Hein. I need more power. Tu parles de quoi la réunionnaire? Attends. Deux secondes. Non mais là tu parles de Wayfinder, là on parlait de Blue Protocol pour le gacha. Pas de Wayfinder, t'inquiète. C'est une blague TB Prince? Tu déconnes là? Ouais, non, on n'a pas dit, t'inquiète pas, que Wayfinder est un gacha. Je crois, ça m'étonnerait très fortement. Fais gaffe, parce que ça peut faire un ban. Je refuse les gens qui défendent Red Shadow. It's not possible. Putain, c'est quoi cette bulle de merde? Ah putain, faut être dans la bulle pour le taper, ce bâtard. Ok. Au secours. Putain, mais je me fais éclater, quoi. Les meubles pour récupérer les... Insupportable ce meuble là. Hein. Voilà. Ok, nouveau meuble. Pas de bulle ce coup-ci à la con.
Les failles sont vraiment stylées là maintenant. Hein. Not possible. Vache. Ok. Meurs. Je pense que c'est fini. J'espère que c'est fini. Putain, mais je me suis bloqué dans un truc, je sais pas quoi. L'enfer. Ok. Salut Skellins. Tendu, mais stylé. Ouh, bonjour Zen, bonjour Skellins. Attends, deux secondes. M'emmerde encore lui. Cassez-vous. C'est bon ? C'est bon. Bonjour Zael, bonjour Skellins. Ça se joue très bien la manette Wilson. Aucun loot là-dessus. Regarde sur Reddit. Donc oui, réunionnais, t'as tout confondu. Wayfinder, on disait juste qu'on n'avait pas d'informations sur le jeu. Ensuite, on a parlé de Blue Protocol. Et Blue Protocol, ça va à 99% être un énorme gacha dégueulasse. Et qui, les gens vont tous se faire bait parce que ça a l'air magnifique en termes d'animé. Voilà, et ça me rend triste. Sauf que moi aussi je suis bait, mais pas par l'aspect gacha évidemment. Et le problème c'est que si un gacha, je refuse d'y jouer. Parce que même si c'est un MMO qui peut être cool en termes de combat et autres, le problème c'est que c'est un gacha quoi. Gacha c'est là pour enculer les gens. Évidemment. What else? Ah, attends, j'ai débloqué. J'ai fait le truc à 200 000 là, c'est ça? Ok. Ah, mais ça, Uncle. Ok, mais dans ce cas-là, j'ai dit 99%. J'ai pas dit 100%, tu remarques. Mais bon, un jeu animé de type online après, qui sort après Genshin Impact. Tu vois? Bon. Voilà. Ok, hein. Ah non, la sodomie c'est consentement. Après, techniquement, voilà. Consentement c'est important. Bref. Je suis dubitatif quand même, hein. Ça c'est stylé quand même, 200 000 et 50 000. Bon. Ah, yes. What is it you need from Mahabi this Salut time? Diamond. J'adorerais me tromper, Uncle, hein, mais voilà. Wait and see. Yes. Attends, je comprends pas. C'est quoi que j'ai bloqué au final? Je suis pas trop bon, non, mais enfin, attends, les pet win ça veut rien dire. C'est pas parce qu'un jeu dit qu'il est pas pet win qu'il est pas pet win. Parce que pet win, c'est sujet à définition. T'as les, par exemple, oubliez pas que les mecs de Diablo Immoral disaient que Diablo Immoral n'était pas un pet win. C'est pour ça que c'est pas parce qu'une boîte dit que son jeu est pas pet win qu'il n'est pas pet win. Que comme pet win, il n'y a pas de fait, il y a juste une question d'interprétation personnelle. Et ben. Voilà. C'est ils peuvent se permettre pas mal de liberté là-dessus. Donc soyez plus alerte que ça quoi. C'est un jeu japonais, les Japs adorent le gacha. C'est un jeu d'animé, les animés sont souvent des jeux à gacha. De tout cœur. Pourquoi j'ai vendu tous mes loots sans même faire gaffe quoi? Je suis rentré là. Et merci. Oh putain, merci pour ce holy. Ok, ok, on bourre, trop bien. Juste le boss pépère, trop bien, trop bien, trop bien, ok. Merde, c'est la merde, c'est la merde, one shot. Voilà. Non. Non, mais on parle pas de Wayfinder, Spookyx, putain. On parlait pas de Wayfinder, oh là là. Eh, suivez un peu la conf, les gars. Ouais, Finder, ça fait longtemps qu'on en parle plus, Pokix. On n'a pas. Putain, on n'a pas assez d'informations sur Wayfinder. Not right now. Enfin, le gacha, c'est. On parle de Blue Protocol, Pokix. Ah, fuck. Ça me trigger ce que vous me dites et j'arrête, je me focus plus. Parce qu'il y en a un sur deux qui suit la conversation, c'est terrible.
Bon, il est où le boss? Putain. Il est où ce compte boss? Ah mais c'est fini, ok, je l'ai eu. C'est ça, bien. Ok. Alors, il prend l'exemple de Genshin. Oui, oui. J'ai deux bières pour cette... Vous me fumez, hein, c'est compliqué parfois. Quand j'entends mon sentiment, j'ai la bêtise sur le couple qui aime boire du thé. Oui, 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 complètement. Oui, 100% Téléprint. La vidéo du, c'est, il y a ça aussi en vidéo, sur la vidéo du consentement et du thé, c'est parfait. Pour expliquer effectivement aux jeunes ce que c'est, comment bien comprendre les notions du consentement, la vidéo est impeccable. Effectivement. Après, encore une fois, Uncle, oubliez pas, c'est le genre de moment où j'adore avoir tort. Vraiment, hein. Si j'ai tort, on a un jeu d'animé MMO trop bien. Let's go. Moi, je demande que ça, hein. Je demande que ça, Uncle, hein. Tu sais, j'adore avoir tort, pour le coup. Le problème, c'est que c'est rare que j'ai tort. Attends, j'ai eu 58 000 affinités primordiales, là? Ah ouais, les quêtes incroyables, putain. Waouh. Délire. Wow, ok, huge. Trop bien. Ok. Ah, je vais me faire encore un ou deux runs, on va passer ensuite sur Hunt. Oh, dinguerie. Alors. Wilson, c'est un play to win, c'est ça. Une fumée parfois, je vous jure. Ok. Putain, c'est pas mal là. Ah, je suis tout émoustillé là. Ok. Demetra pourra créer deux copies de chaque compétence. Osaosef. Non, Osaosef, chantier naval. Ça, je l'ai fait, c'est bueno. Mission. Refuge des aveugles, on l'a fait. Guinness has provided strategy outlines and I've come up with some cunning. Il y a plein de trucs là, attends, les protéger le palais. Résultat, activer un sur la boucle. Ça ensuite c'est quoi? Ça c'est les trucs de thunes pour les skins. Oh, c'est quoi cet accent, putain? Ah oui, c'est ça qui est intéressant maintenant, voilà, s'il me faut de la thune pour faire deux points d'un road du destin. Ok. Ah putain, lieutenant. Merde. Oh non, j'ai des trucs trop bien. Non, plus brise malédiction, c'est insupportable. Ça, c'est long, allez faire l'expédition. Champion 79, ouais. Parce que depuis que je suis champion, j'ai toujours pas eu un truc full loot en fait. Et la seule fois où je l'ai eu, j'ai oublié le coffre parce que je suis un connard. Parce que champion, en fait, c'est un nouveau niveau de difficulté et un nouveau palier de loot. Donc je suis un peu deg. J'aimerais bien en profiter quand même. Parce que là je suis globalement juste tristesse. Ok. Ah bah là on va peut-être aller faire la chasse là pour le coup. Ok. Bah ça va être une grosse mission, ça va être ma dernière sur Wolsen, ensuite on passera sur Hunt. Ça va être impeccable. Parce que là c'est une grosse mission, on va aller faire la chasse, on va aller faire tous les étages et tout. Ça va être pas mal. Ça va bien me prendre 10-15 minutes. Impeccable. Je reviens loup. Si elle est disponible par contre loup pour Hunt. Au pire, avec grand plaisir avec des viewers. Enfin elle est bord. Ok, donc là typiquement, je vais bien prendre mon temps. Parce que les meufs vont être assez costauds, mais il va y avoir du joli loot. Hein. Parce que là je loot du 79. Ah ouais. Là ça va commencer à être vénère les loot là. Ok, c'est bon, il est mort, sera dispo, impeccable. Not possible. Gotta catch my breath. Donc oui, écoutez, je souhaite de tout cœur d'avoir tort concernant Blue Protocol. J'y crois absolument pas, mais j'adorerais avoir tort. Vraiment. Comprenez bien que j'ai pas de problème d'ego, j'ai beau avoir un gros ego, moi mon but du jeu dans la vie c'est d'avoir tort. Parce que comme je suis plutôt nature pessimiste, si j'ai tort on a un choix de produit et tout quoi. C'est comme pour Diablo 4, je parlais des serveurs,
Si j'ai tort et que tout marche bien, trop bien. On peut jouer, moi ça me va, hein, je m'en fous d'avoir tort. J'ai pas de soucis là-dessus. Surtout quand c'est des analyses. J'aime bien avoir raison sur les faits. Sur les analyses, putain de merde. Sur les analyses, si j'ai tort, je m'en bats les couilles. Surtout si le consommateur est gagnant derrière. Il faut vraiment que je fasse gaffe là. Bien que je reste derrière. Ouais, ah, c'est ça, mais le truc c'est qu'il faut comprendre que ça ne veut rien dire parce qu'on a, tu vois, par exemple, toujours Diablo Immoral qui officiellement, que selon Blizzard, n'est pas un pay to win, tu vois. Alors que c'est un des jeux les plus pay to win qui existent. Donc faut bien comprendre que c'est pas parce qu'une boîte dit un truc, parce qu'en gros, en vrai, encore une fois, il joue sur les mots. Par exemple, si demain, Namco Bandai te dit que... Ah, c'est rigolo que tu parles du jeu Spokix, si y a Nat, Nat, je sais pas si elle va streamer ou pas, parce qu'elle a le jeu, et elle va peut-être le streamer, mais je sais pas si c'est aujourd'hui ou pas. Terani là, qui est là, effectivement très mignon. Et merci pour le follow, Mojita, bienvenue à toi. En gros, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends par exemple Diablo 4. Globalement, ils ont utilisé des termes qui sont très forts dans leur boîte. C'est-à-dire qu'ils peuvent, encore une fois, les boîtes, tu peux pas mentir, c'est pas si simple. Ils peuvent jouer sur les mots, mais mentir proprement parler, c'est compliqué. Donc quand tu utilises des termes qui ne laissent pas de nuances, eh ben, c'est plutôt rassurant. Donc par exemple, ils ont été clairs, leur boutique logiquement est cosmétique, et qu'il n'y a aucune manière, même les boosts de Battle Pass dedans ne peuvent pas être achetés, il faut les débloquer en les pexant. Et les boosts concernent la saison. Et je sais même, et je suis pas sûr d'avoir compris si c'est l'XP du personnage ou si c'est l'XP du Battle Pass. Si l'XP du Battle Pass bat les couilles dans ce cas-là. Déjà que de base bat les couilles, mais encore plus si c'est pour l'XP du Battle Pass. Voilà, donc ça tu vois, c'est pour le bloc Diablo 4. Donc ça c'est du bon. Alors ça, là c'est du pay to win. Et ça ils ont le droit, pardon. Mais j'y crois pas du tout qu'ils fassent ça. Ça c'est vraiment un truc de coréen pour le coup, nivel. Ça c'est typiquement coréen, ça veut pas dire qu'il le ferait pas. Mais techniquement ça serait pas mentir dans ce cas là. Salut Pestaz, c'est ce que je comprends aussi mais bon dans le doute. Mais effectivement ça serait pas un mensonge, ils ont juste dit qu'il y aurait que du cosmétique. Ils ont jamais dit que le cosmétique tu n'ajoutais pas de stats. Effectivement. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que si les mecs toi de Namco Bandai te disent bien vous n'aurez aucune manière genre de monter en puissance à travers le système de gacha. Dans ce cas-là, en fait, c'est pas les gachas, c'est des lootbox. Enfin, techniquement, le lootbox, c'est du gacha, mais là où je veux en venir, c'est que généralement, c'est un gacha et des liens montent en puissance, tu vois. Donc, bon. Moi, par exemple, ça me dérange pas du tout de jouer à des jeux à lootbox. Ça, j'en ai rien à foutre. Si c'est que du skin, j'en ai absolument rien à foutre pour le coup. Même s'ils le mettent en forme de gacha, le skin, je m'en bats les couilles. C'est du skin. Si vous voulez dépenser du fric en skin, dépensez tout le fric que vous voulez. C'est beaucoup plus rare, les gens addicts à acheter des skins en fait. Il y en a, surtout les gamins qui se contrôlent moins. Mais globalement, c'est la montée en puissance qui rend addict. Donc ça me dérange pas du tout pour le coup. Ce qui est cool là, c'est que je reprends enfin le pexing aussi dans Wellsen, là où j'en suis. Plutôt pas mal. Donc ouais, là, vous voyez, les missions sont quand même assez longues. Hein. C'est du costaud pour le coup. Je crois que c'est une 3 étoiles que je fais en plus. Je regarde un peu les loots parce qu'il y a moyen d'avoir des très beaux loots là pour le coup. Oh. Ouais, faut pas que je me. Par contre, faut pas que je me laisse aller de. Ne serait-ce qu'une minute. Hein. Pas du tout, c'est niveau 90, niveau max, je suis 63. Justement, je reprends le pex que. En fait, en gros, quand tu passes en endgame, il y a un moment où tu fais du contenu qui est un peu facile. Et ensuite, il se durcifie. Et donc, tu pexes pas pendant un petit moment. Et là, les activités que je fais me rapportent enfin à nouveau du pex. C'est dans ce sens-là. Non, non, le niveau max pour l'atteindre, good luck. Hein. Ils l'ont un peu simplifié, mais c'est très, 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 très long. Ah, je viens d'avoir l'explosion, ok. Et l'explosion, effectivement, qui m'a rendu full volonté, d'accord.
Faut vraiment que je fasse gaffe aux boules de feu qui peuvent me quasi OS. Par les boules de feu, ça va globalement, mais les boules de feu sont vraiment très dangereuses. Ok, on est bien. That's not happening. Là, je sais pas si ça se sent, mais je mets un peu de temps à descendre les mobs, mais pas non plus de temps que ça. C'est des grosses élites en même temps. Mais ouais, je dois vraiment jouer de manière prudente. Très prudente. Par contre, les loots vont être à la hauteur, les récompenses aussi à la fin de la mission. Si j'arrive à la terminer. Sachant que je crois que j'ai déjà perdu une mort, ce qui fait un peu chier forcément. On a le droit de mourir trois fois, enfin deux fois je crois, la troisième fois c'est fini. Ouais, genre là, les putains de boules de feu. C'est le démon. Ah bah oui, je suis ce qu'on appelle un buick glass cannon, c'est-à-dire que j'ai, en gros j'ai pas de point de vie quoi. Je fais assez mal, mais j'ai vraiment pas de point de vie. Hein. Tout le principe du glass cannon ça. C'est pour ça qu'il faut surtout que mes pets se tankent bien comme il faut. Alors. Ouais. Ok. Non, je suis peut-être pas au bon endroit, je pense en fait. Attendez. Ouais, je suis pas au bon endroit. Ok. J'ai pas compris, not to kill. C'est quoi le chopement OnlyFans Twitch? J'ai pas compris. Ouh, alors dégâts matériels. Oh, dégâts élémentaires. Ah, attendez. 1862. Eh non, je perds. Elle est vraiment trop bien celle-là. Hein. Mais j'arrive. Je pense que c'est à cause du multiplicateur des dégâts des compétences des sorts, hein, ça doit être ça. Dégâts matériels, dégâts occultes, c'est pas mal pour le coup. Je perds un peu de dégâts élémentaires, je gagne du dégâts occultes, je gagne de la robustesse, en soi vendu. Je suis pas un fan comme c'est Mimi Twitch. De quoi? Un mec qui a report sur la chaîne, c'est ça? Vous avez un petit bot avec des culs comme d'hab. Dégâts occultes. Non, ma tête légendaire elle est top. Ça je peux pas le changer. Ça c'est non. Dégâts matériels aux F, rage par coup. Ok. Not possible. I can't do that right now. Ok, je vais avoir le boss du premier étage là. Mais on va continuer les étages pour le coup. I can't do that. J'ai eu très très chaud. That's not happening. D'où il vient lui? Ah bah c'est le boss. Ok, d'accord. Ok, c'est le boss, faut faire gaffe. C'est un chevalier pacifié, ça pique. That's not happening. It can't be done.
Permaston. Pourquoi il prend plus de dégâts ce bâtard? What the fuck? Mais crève enfoiré! Ok.